Nous, mercredi 18 septembre 2024, nous comptons rentrer la caillou dans le SA en collaboration avec VOA Créole pour nous capables porter pour nous troisième paraître tranche journal spécial SA. Un journal qui fait deux concerts ensemble avec VOA Créole à travers journal SA. Nous parlons d'informations capables de dominer l'actualité en Bola Kaipano avec l'autre botlo. Ensemble, pour que nous parlions dans journal SA, Bola Kaipano, nous parlons d'informations qui sont pour l'insécurité, gagner coordonnateur ONM. Dans le département de Noan, Karine Augustin, qui lui-même tombé en babal, nèg examen. C'est un jour qui saute passé là, c'est un coup dur pour ONM, surtout dans le département de Noan. N'a pas toujours été dans sa qui pour avec insécurité, gagné un nèg examen que moun pas identifié, tout y est maître artiste Rémi, qui était secrétaire général dans le barreau Fort Liberté. N'a pas rappelé ce nèg qui était sous moto, eh bien, et qui l'ouvrit coup de balle sous maître artiste Rémi, qui lui-même c'est un avocat en même temps. Qui était secrétaire général dans ça qui concernait eh bien Barreau Fort Liberté. L'autre bord de l'eau, nous parlons une nouvelle ça, gagné vice-présidente pays États-Unis en même temps qu'il s'est candidat à la présidence pour parti démocrate là, n'a parlé de Kamala Harris qui lui-même exprimé soutien à la communauté haïtienne face à la stigmatisation Donald Trump eh bien a fait par rapport avec yon ensemble eh bien des informations qui vient pour ak haïtien surtout dans pays États-Unis point ça yo avec plusieurs autres a gagné pour venir développer dans cadre journal ça mais c'est prêt à la proposer walkie-talkie ak beeper. Bilan pour aujourd'hui a 9 morts et plusieurs centaines blessés. Groupe Hezbollah accusé pays Israël. Actualité électorale aux États-Unis, deux principales partis politiques pays, parti démocrate et parti républicain qui pral toke konyo nan élection novembre, promettent pour imposer plus tarifs douane sous pays la Chine. Venezuela, yon quatrième Américain joint arrestation dans Caracas pour soi-disant complot pour assassiner président Nicolas Maduro, d'après autorité qui tout dénoncé interférence. Yon quoi qui sorti dans Union européenne et Espagne dans affaire ça. Et bien, un groupe haïtien a paré pour manifester après-midi à la dans New York contre ancien président républicain Donald Trump. Faut dire que Aïssé ça même pas Paris non, yo déjà dans New York côté yo déjà manifesté et gen plusieurs élus haïtiens américains yo même qui déjà prend la parole pour yo reprocher et surtout ancien président Donald Trump pour dire que haïtien yo vin dans pays a yo travail. N'a pas gen pita pour nous rejoindre et Glorieuse Nelson qui sous place et n'a pas ça et pita n'a pas dans actualité électorale ici aux États-Unis. Donald Trump a Kamala Harris accusé la Chine, dès que y a fait un commerce qui est déloyal contre les États-Unis. Jean-Aubert Philippe dit, eh bien, tous les deux partis, ils même, ils prévoient, ils même prend l'autre mesure, l'autre tarif douanier qui pire toujours et contre pays la Chine, d'après Saoudi, cap suivre, cap fait un commerce déloyal. Jean-Aubert Philippe. Analyse fait qu'on est deux candidats présidentiels qui ont utilisé les tarifs douaniers pour contrecarrer la Chine et puis encourager l'industrie américaine à créer plus de travail aux États-Unis. Chaîne bicyclette Sahara qui est fabriquée en Chine coûte 6 dollars et elle est capable de coûter 9,60 $ si les tarifs douaniers candidat parti républicain Donald Trump proposé à tourner une réalité. Non imposer tarifs douaniers sur l'autre pays. L'autre pays, finalement, a fait même bagaille là tout après 75 ans. Rembourser pour tout ça nous fait pour mon nom. Tarif douanier proportionnel, dans quel cas, ça veut dire que les produits qui sont fabriqués en Chine a subi une augmentation jusqu'à 60% d'après plan ton plan. Ancien président a ajouté appliquer un tarif douanier 20% sur tout l'autre pays. Ni Trump, candidat à parti républicain, ni représentant du Parti démocrate, là, Kamala Harris, déclaré
yo vle pou travay retourne aux États-Unis. Yon politique concernant la Chine de assurer États-Unis remporter compétition pour 21e siècle. Administration Biden a kembe pi fort taxe importation président Trump te imposé sur la Chine l'été sous pouvoir. En mai 2023, Biden a annoncé une augmentation de tarif de 18 milliards de dollars sur l'importation de produits chinois, tout comme une 100% taxe imposée sur les véhicules électriques chinois. L'administration Biden a déclaré que la tarif douanière plus stratégique et visée une série d'industries spécifiques et que taxe importation trompe-l'an, c'est une approche plus élargie qu'a coûté foyer classe moyenne américain. 4 000 dollars en plus chaque année. L'autre estimation mettait à environ 2 000 dollars. Trump fait qu'on ait augmentation tarif douanière, pas de gain impact sur consommateurs. C'est la Chine qui a augmenté ensemble avec tout l'autre pays qui a longtemps depuis à exploiter les États-Unis. Mais c'est le secteur d'affaires chinois qui a payé taxes sur l'importation. D'après expert sur chaîne d'approvisionnement Christopher Tang, pendant l'année électorale, chaque monde a une promesse la ligne. Mais vérité, c'est l'entreprise américaine qui paye l'importation de tarifs douaniers. Par exemple, pour l'importation d'un appareil télévision chinois ou acheté dans Costco, c'est l'entreprise Costco lui-même qui paye taxes d'importation. Christopher Tang a ajouté, les compagnies ont fait face avec un tarif d'importation élevé, il y a deux boutons qui peuvent peser. Un, c'est faire un consommateur payer prix élevé d'importation, et l'autre, là, c'est coincer les factories chinoises pour diminuer le prix. Tang continue pour dire, risque pour forcer les compagnies chinoises à diminuer le prix, veut dire un produit de mauvaise qualité en retour. Taxe sur importation signifie moins de produits qu'à fabriquer en Chine. Mais ça ne veut pas dire moins de produits qu'à importer sorti en Chine. Joubert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et Fondi que candidat de parti, on a parlé de vice-président Kamala Harris pour le Parti démocrate là et ancien président Donald Trump pour le Parti républicain. Yo, tous les deux, yo dans la campagne et puis gagnent et après ancien président Donald Trump, les mêmes qui trouvent dans New York et dans même New York, ça tout gagné. Yo, un paquet haïtien, yo même qui viennent manifester contre ancien président. N'a pas pour nous retourner sur ça. Pita, dans le programme, en attendant, nous parlons dans le congrès qui n'a pas réussi. Voter IVF là, malgré gros appui ancien président républicain Donald Trump. Marie-Luce Pierre. Républicains ont voté contre loi ça, malgré Donald Trump dernièrement là, t'es exprimé supporli pour politique ça. Projet loi a été joint 51 pour 44 contre. Il était manqué 60 voix qui nécessaire, comme plus fort républicain ont été opposé contre lui pour une deuxième fois. Démocrates ont gagné une majorité étroite. Soit 51 pour, 49 contre dans le Sénat. Moun qui appuie le projet de loi ça, sénateur démocrate Tammy Duckworth, des premiers chercher un vote dans le mois février. Ça, c'était après le tribunal suprême Alabama, qui a décidé que l'embryon FIVA t'a dû être considéré comme timoun, qui mettait en danger accès à traitement. Liberté pour joindre soins reproductifs, c'est un risque pour plusieurs millions d'autres femmes qui gagnent espoir puis désespéré dans le monde là. C'est gagné un petit monde, pas yo. Républicains semblaient seulement prendre soin pour protéger la vie, le lit soi-disant consistait de quelques cellules dans un freezer laboratoire médical. Dans le mois d'août passé, Donald Trump te dit que l'État fait gouvernement ou soit assurance couvrie FIVA si yo élul. Ça qui t'a étonné quelques républicains qui joignent que traitement soulevé en pile parole en pile. Nous voulons produire petit bébé dans le pays ça, pas vrai? Nous voulons produire petit bébé. Pour FIVA, fécondation in vitro, moi te garder li et ça nous pourra le faire, c'est pour moun qui a utilisé FIVA, qui c'est fertilisation, nous c'est gouvernement pourra le payer pour lui, ou soit mandé compagnie assurance pour payer pour lui. Ça qui pourra lui un bon bagage, nous pourra le faire ça. Campagne Tromplan pas répondre immédiatement à une demande pour faire commentaire sous dossier si là. M'a dit qu'il se passait à Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre. Nous prenons l'actualité concernant la région Moyen-Orient. Et gros nouvelle là, c'est une série d'explosions qui frappaient Liban. Dans le moment, l'enterrement victime, série attaque Beeper contre Hezbollah, tape déroulé. Sandra Lemaire, il y a un détail.
Plusieurs explosions sautées mercredi dans le lieu côté au tap chanté funérailles trois membres Hezbollah à Contimoun qui mourit dans l'explosion Beeper qui était faite mardi, d'après sa journaliste Associated Press qui était sous place rapportée. Ministère Santé Liban dit au moins un monde mourit et plus passé 100 autres étaient blessés mercredi dans l'explosion appareils électroniques dans plusieurs régions dans le pays. Le responsable Hezbollah dit à P que walkie-talkie groupe là explosé et monte qu'attend des bruits explosion dans Beyrouth. Responsable là parlé sous condition pour non les pas citer parce que les pat gain autorisation parler à la presse. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken qui a visité Égypte dit États-Unis pas au courant attaque là. With regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in. Li di par rapport à Liban, États-Unis pas au courant incident ni yo pas participé. N'a pas ramassé information toujours et en général nous dit clairement que li important pour toute partie éviter faire aucun bagage qui ta capable chauffer conflit à plus alors que n'a essayé résoudre conflit Gaza. In Gaza. Agence nouvelle officielle Liban rapporté tout que système énergie soleil t'est explosé dans Kaina divers quartiers dans Beyrouth avec dans sud Liban. Nouveau série explosion qui frappé pays à la cause confusion à colère après attaque à bombe Beeper qui semblait c'est une attaque compliquée israélien qui visait même Hezbollah. Porte-parole commission droits humains Nations Unies Ravina Chamdasani dit attaque dans Liban et Syrie choquant et que impact sur civils pas acceptable. There must be independent, thorough and transparent investigations into the circumstances. Il faut qu'il y ait une enquête indépendante, complète et transparente sur les circonstances d'explosion ça yo. Nous devons traîner devant la justice moun qui ordonné yo et puis exécuté yo. Chef conseil exécutif Hezbollah Hachem Safieddin réagit sous attaque là après-midi. Il dit agression ça certainement gain punition à représailles pali. Punition a vini si bon Dieu voulait. Nous pas parler en pile pour kounia. Demain leader résistance ça va parler et puis rendre toute bagaille plus clair et nous pral faire face à une nouveau étape à une nouveau confrontation avec ennemi ça pour que yo capable connait nous c'est un peuple qui pas accepter défaite. Explosion a déroulé un jour après ça que semblé une attaque israélienne qui visait Beeper que Hezbollah utilisait. Au moins 12 monde mourit et presque 3000 blessés. Parmi les victimes, il y a gagné 2 timounes. Nouvelle yo fait qu'on est Beeper a sauté dans le Liban et puis tout dans la Syrie. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc dans la région Moyen-Orient, c'est Pigo Nouvelle qui gagne, c'est explosion, l'autre explosion qui fait, parce que hier t'es gagné explosion qui fait, et jeudi encore gagné explosion qui fait, tant qu'on nous attendait, Sandra dit là, gagné 9 blessés, et gagné plusieurs centaines de monde, 9 monde qui mourit plutôt, et puis gagné plusieurs centaines l'autre qui blessés. Quand nous prenons dans New York, côté nous dit nous que ancien président Donald Trump lui-même, il était débarqué dans New York, puis précisément dans zone Long Island, côté que le talent dans Uniondale, et dans Latou, et bien t'es gagné pas Haïtien, yo même qui te vin fait en des voyous, qui te vin et fait manifestation contre ancien président Donald Trump ou capable yo gain plusieurs et américains haïtiens américains qui élu qui yo même yo te prend la parole dans occasion et c'est dans même occasion ça tout que yo même yo te protesté contre accusation qu'a fait contre haïtiens surtout dans région Springfield dans état Ohio et côté que il y a accusation qui tombait sous deux comme quoi il y a mangé chat monde, mangé chien monde, mangé cana monde. Donc nous capable et plusieurs et haïtiens américains qui élu et qui prend la parole dans occasion ça, yo même dans occasion ça, yo même yo dit que eh ben haïtiens ont venir aux États-Unis, yo travaille, yo paye taxes, y a l'école et yo fait du bien
à pays ça. Donc, nous pour nous retourner parce que nous avons deux reporters sur place, Gary Altidor avec Glorieuse Nelson. Nous prenons l'autre point d'actualité internationale là. Venezuela, dans Venezuela, il y a un quatrième Américain qui joue une arrestation dans Caracas pour complot, pour soi-disant complot pour assassiner président Nicolas Maduro, et autorité ont tout profité dénoncer interférence Union européenne avec Espagne fait dans affaire ça. Nous gain détail avec Gentil Augustin Junior. Capitaine Diosdado Cabello Rondon. Hier mardi 17 septembre 2024 là, autorité vénézuélienne arrêté yon quatrième Américain depuis commencement mois ça. Ministre intérieur pays ya, Diosdado Cabello dit. En este instante, hace 20 minutes avant ça, mwen chita la et puis yo te arrêté yon l'autre citoyen américain que nous tap suivre. Yo te arrêté li ici là dans Caracas. Nous te prend photo installation électrique, installation pétrole, unité militaire yo. Malheureusement pour lui, Venezuela gagne un anticorps puissant, conscience peuple nous. Série arrestation ça yo vini dans un contexte tension cap augmenté entre Venezuela et États-Unis et ak Espagne tout. Sous réélection président Maduro, que opposition a contesté. Jorge Rodriguez, président Assemblée nationale Venezuela, a dit: Los vamos a derrotar. Nous pral gen la victoire sou yo. Nous pral renverser yo. Nous pral détruire yo. Tout moun ki la cause douleur ak détresse pep nou an pral nan prison. Mwen fè seman sou petit mwen yo. Mwen semente sou zo defen papam. Nous avons gagné victoire. D'après un texte agence France Presse, porte-parole département d'État américain Matthew Miller dit hier lundi à Washington a cherché l'autre information. Madrid mandé tout hier lundi à information officielle qu'elle a vérifié sous citoyen Lio que autorité Venezuela arrêté et puis tout li vle clarifier accusation qui sous doyo. Ministre intérieur Venezuela Diosdado Cabello dit yo pas persécuter personne. Nosotros no perseguimos al ciudadano estadounidense, no. Nous pas persécuter citoyen américain. Non non, nous pas persécuter yon citoyen tchèque ici là. Mais si un citoyen américain participe dans un complot pour faire pays nous en mal, assurez-vous que nous pral poursuivre li. Li pas clair qui côté cet étranger que yo kembe yo yé, qui accusation que yo pote contre yo, ak si yo te présenté yo ba yon juge malgré Washington, Madrid ak Prague insisté que yo innocent. D'après un autre texte sous agence Nouvelle Waters, chef diplomatie américain Anthony Blinken t'es parlé dans téléphone à Gonzalez Urrutia et puis à leader opposition Maria Corina Machado pour assurer yo que Maison Blanche pral continuer défendre liberté démocratique yo dans Venezuela et puis pral goumen pour assurer que autorité yo respecte volonté électeur yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci d'être toujours branché sur VOA Creole. Merci d'être choisi VOA Creole tout pour informer ou pas déplacé. La voix de l'homme qui a pu mettre depuis Washington DC, ou a suivi un programme dans la langue créole haïtienne, actualité dans le pays d'Haïti. Yon a représentant accord 21 décembre, M. André Michel dit, processus pour remplacer trois conseillers présidentiels qui impliqués dans le scandale corruption, ou qui étaient soi-disant impliqués dans le scandale corruption, a marché à grand pas pendant le réclamer démission. Rona Toussaint, c'est correspondant à nous, dans Port-au-Prince. Effectivement. Nous faisons plusieurs réunions avec CARICOM ce dossier scandale BNCA. Côté, il y a trois conseillers qui épinglés et parmi eux, représentant Accord 21 décembre. Maître André Michel, représentant Accord 21 décembre 2021, qui confirmait qu'il a fait plusieurs rencontres avec responsable CARICOM sur le processus remplacement trois membres
le Conseil présidentiel transition qui gagne noyau cité dans scandale corruption. Dans la rencontre nous avons gagné avec CARICOM, nous avons accepté le principe de la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles, notre représentant au CPT, en attendant les résultats de l'enquête. Et moi capable de dire, nous parler, nous discuter avec un pile monde le 21 décembre, avec les différentes fractions, et nous très avancés dans le processus de remplacement. Évidemment, 21 décembre sont grosses machines, ce n'est pas facile. Pour le moment, nous avons deux prétendants, c'est ancien député Vicarson Garnier et ancienne ministre Marjorie Michel. Ces deux prétendants nous gagnent, c'est la noyer. Et nous continuons le processus de dialogue là pour nous capables de faire émerger un consensus au niveau du 21 décembre. Pendant ce temps, M. André Michel souhaitait trois conseillers présidentiels qui impliquaient dans le scandale corruption démissionner. Présence trois conseillers présidentiels qui épinglés dans le dossier BNCA, de représenter un facteur de blocage, de représenter un handicap pour le processus politique là. Et moi, quoi que fort que bah démission le plus vite possible pour pas bloquer processus là. Alors c'est dans ça noyé, processus là pas avancé. Nous même 21 décembre, on a prend toute disposition, on a fait tout ça possible pour nous faire processus là aboutir, pour nous faire processus là avancer. Mardi 17 septembre 2024 là, ancien président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis t'est boudé pour une deuxième fois, invitation ULCC pour confronter trois conseillers indexés. Nous voulons parler de Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Ventilaire. D'après Unité lutte contre corruption, le fait qu'il parle pour une prison, il viole l'article 21 loi sur corruption. C'est un dossier qui était tout l'ouvri en Haïti. Où est-ce que ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Actualité a mené nous dans le département Nord Pays, à côté de l'autorité portière nationale, lancé un séminaire sur coaching dans Cap Haïtien. Formation Yon Mwasa, organisée par Train for Trade, et visé à améliorer qualité service pour yon. Yon reportage et depuis Cap Haïtien, Gérard Maxino. Autorité portuaire nationale APN lancé vendredi 13 septembre passé à ville Cap Haïtien un séminaire sous coaching pour employés pour dans pays d'Haïti. Séminaire ça cap dire environ un mois fait partie des programmes Train for Trade, yon initiative conférence Nations Unies pour commerce et développement. DG APN Justin Villiers qui était présent dans circonstance sans déclarer. Initiative ça pour redynamiser secteur portier dans pays d'Haïti pour le cabaye service qui gain qualité et standard international pour redynamiser secteur portier là pour APN vite comment faut mécanique pour gain capital invention capital vieillir etc. Donc faut renouveler pour assurer que jeune yo ca assurer l'élève là. Dans ce sens-là, nous lançons la formation à Cap Haïtien. Après la formation, nous voulons que l'Institut portuaire d'information et de formation assure que l'IFU NIPOA d'autres cadres qui ont redynamisé ensemble pour que le pays gagne. Formateur Dominique Chantrel explique l'objectif du projet de formation c'est faire employer cadre dans le port vin plus performant dans le travail. Le programme Train for Trade est là pour renforcer les capacités de la communauté portuaire haïtienne. L'idée, c'est de comprendre sa place dans la chaîne logistique pour la rendre plus performante. Donc, quelle que soit la... Si je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui est formé comme, on va dire, au service financier. En général, il fait des études de finance et il arrive dans l'entreprise. Et il ne connaît pas le port, il ne sait pas comment ça fonctionne. L'idée de ce programme, c'est de lui faire comprendre sa place dans cette chaîne de l'autorité portuaire de façon à la rendre plus performante et de comprendre les tenants, les aboutissants qui vont dans son métier à lui. Coordonnateur national programme Train for Trade, Rodolphe Bertrand,
Fait qu'on est programme ça pour renforcer capacité employé dans institution la permettre yo gain plus connaissance, compétence et leadership dans travail. C'est un programme qui là qui vous souhaite renforcer et institution capacité li et pour les capables souhaiter toujours gagner monde qui capable performant. Et c'est dans ce sens ça le invité nous le programme Jeune Fortune là. Nous avons eu une opportunité pour nous saisir. Donc, nous avons une première promotion qui sortit. Il y a une deuxième promotion qui sortit. Donc, je dis à là, nous allons former la troisième promotion. Et nous espérons que la troisième promotion a aussi performant que les deux premières. Très Fortune déjà formé environ 400 personnes dans le pays d'Haïti. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxino. On a rappelé que toujours dans New York, eh ben gagné un groupe haïtien qui yo même plus précisément dans zone Long Island yo même yoté prend position contre président ancien président Donald Trump parce que président ancien président Donald Trump gagné un rassemblement que l'a fait et yo même yo té planté piquette yo pour être capable dit et façon de penser yo sous gens à traiter haïtien. Kodia nous pral rejoindre Obed Lamy pour un symposium dans l'université Michigan à quelques intellectuels haïtiens dans la communauté haïtienne. Obed, dans l'université Michigan, un groupe chercheurs, étudiants, politiciens ak mam diaspora haïtien te réuni vendredi 13 septembre nan pour une journée bat bouche sur crise qui a passé Haïti. Et moi choisi faire symposium ça juste parce que pour connait les aussi haïtien en pile mon a posé question ça qui a passé Haïti, qui ça qui gain Haïti. Donc pour contextualiser ça qui a passé Haïti et puis nous t'es décidé faire événement ça, mais c'est pour événement qui sorti de seulement moi-même, il sorti de moi-même avec un pile l'autre collègue qui dans Haitian Midwest Scholars Society avec collègue qui dans faculté dans Université Michigan que moi t'ai rencontré qui c'est haïtien américain. Intervenant ont fouillé dans l'histoire, examiner influence nation étrangère à travers ONG dans le pays. Une façon pour aider le public là bien comprendre problème Haïti a fait face journée aujourd'hui. Haïti te fin payer la France dette indépendance l'an jouk dans l'année 1947. D'ailleurs, en 1940, l'argent pour remboursement dette ça te représente 80% dans le budget l'État haïtien. C'est peut-être ça dans le 19e siècle là. Haïti pas jamais capable arriver développer infrastructure. Photojournaliste Chéri Journalio te présente travail photo li fait sur Haïti. Et puis te gen projection yon documentaire sur discrimination haïtien te vive États-Unis pendant l'épidémie sida dans l'année 80 yo. Information ça yo pas manquer édifier participants yo. Parce que me travaille avec population haïtien et me gen zanmi tout qui c'est haïtien. Ça fait me plus ou moins gen l'idée sur qu'il ti Haïti. Qui donc, l'idée intéressant jodi an pour me devine approfondir et puis apprendre plus sur ça qui a passé Haïti dans dernier temps ça yo. Mais faut qu'il symposium n'a pas seulement sous problème yo. Te gen solution tout qui te proposé tant que conseil sa yo qui soti nan bouche professeur Jackie Goodrich qui présenté une recherche qui révélé dirait États-Unis voye van haïtien bay moun cancer. There is one method of cooking rice that will reduce. Gen l'autre méthode pour diri qui ka aider éliminer nan parti sa moun pral manger a moitié niveau arsenic qui se produit qui bay cancer. Méthode ça prend plus l'eau parce que li mandé pour bouilli diri an, jeter de l'eau a et puis bouilli encore avec l'eau de l'eau. Nan sa m'apprend yo moi question n'a posé pour pour qui je nous range à Haïti, tout scolaire ça, y a une réponse. Parce que y a fait étude, y a fait toute recherche, obligé faire, et puis y a arrivé à un point que mais ça pour nous faire pour nous range à Haïti. Symposium ça c'était une belle occasion tout pour quelques haïtiens en diaspora reconnecter à racines. C'était expérience Schneider Sintil qui t'est servi comme volontaire dans le programme. I feel like it's a way of serving my. Moi senti c'est une façon pour me servir communauté moi. Parents mieux sorti Haïti. L'aime t'a grandi, m'te konn wè maman m'ap semblé bagay li gen pour voye faire mon Haïti cadeau. Et ça t'a toujours inspiré pour me contribuer dans conversation comme ça. Tant que ça n'te gen jodi an, sou ki jan nou ka aidé pays an sorti dans sa liye. Je pense nous tout satisfait, et nous mettez main ensemble garder ça nous capable faire. Obed Lamy, pour VOA Créole depuis Michigan. Merci Obed Lamy et n'a pas retourné encore sur et planter piquette ça ou bien manifestation si nous voulons le comme ça côté que haïtien yo t'est débarqué dans New York dans moment ancien président Donald Trump il t'a retourné dans campagne et après surtout et il était semblé t'a
objet de yon et tentative d'assassinat. Donc nous capable voir haïtien yo avec drapeau haïtien et drapeau américain nan men yo pour yo dit que yo yo rejeté accusation qui a tombé sur haïtien yo comme quoi y a mangé canard, y a mangé chien, y a mangé chat. Ça fait référence à accusation qui tombé sur communauté haïtienne nan nan Springfield nan état Ohio. Donc Nava gagnen yon reportage complet sou haïtien sa yo, plusieurs moun ki te pran la parole, officiel haïtien américain ki te pran la parole nan occasion sa côté que yo te vin fè manifestation contre toute manifestation contre accusation ki tombe sou do haïtien. Donc nous gagnen deux et reporter sous place. Donc demain dans nouvelle édition nous n'a capable gagner un reportage complet et c'est là tout que n'a mette fin na programme nan. Nous vous merci pour attention, merci pour fidélité, merci de ce qu'on fait VOA confiance. Nous remercions tout le monde qui t'a contribué dans réalisation programme jodia. Nous remercions amis nous et Nelson et par contre c'est Chang Wang qui derrière et puis nous Sibas Zaminou, our good friend, et puis nous remercier Jean-Marc Hervé Abella, ça bien toute équipe solide là qui derrière gentil Augustin Junior et puis Jean-Robert Philippe et puis semblier chef service nous Sandra Lemaire. Moi c'est Jacques Belize, on a cassé rendez-vous pour demain pour une autre édition Rendez-vous Info. Bonsoir. Antis Rémy, c'est nos citoyens que nous avons gardé sous écran, qui sont un auxiliaire de la justice au niveau du département de Nord-Est, que Negaxam rivé assassiné lâchement. Fon dit que Antis Rémy, yon avocat, en même temps qui c'est secrétaire général Barreau Fort Liberté, c'était yon nan moun qui tap travay pour cabinet Phoenix. Eh bien, nan cadre yon pose que li te genyen par rapport avec Jean que li te comporté et li te arrivé remporter victoire durant procès ça, c'était yon pose que li tap entamé en face papa yon certain Andy Jean-Baptiste. Eh bien, depuis lors, li tap pral recevoir yon ensemble de menaces. Et par rapport ensemble avec ensemble de menaces sa yo que li te recevoir, li te toujours parler ensemble avec collègues avocats pareil yo au niveau de département ça pour le faire connaître si toutefois eh bien le ta gon bagay qui t'arrive moun kap responsable li pa plote que Andy Jean-Baptiste parce que menace yo c'est Andy Jean-Baptiste qui t'a fait. Non, au premier temps, faut que nous dit que yo t'est arrivé attaquer la caille et avocat ça, jeune avocat ça. N'a parlé de et maître artiste Rémy. L'attaque yo t'est fait la caille là, yo t'est arrivé tuer plusieurs chiens que li gagnait. D'après ça que li fait connait. Yo t'est arrivé tuer plusieurs bêtes li dans l'idée pour que li était capable bay vague. Mais li t'est décidé pour que li pas de bay vague, li t'est décidé pour que li capable bataille. Et il était même informé, eh bien, commissaire gouvernement a parlé de Eno Zéphirin, de ensemble menace que la recevoir. Mais malheureusement, commissaire n'a pas jamais essayé de faire tentative, pas jamais faire diligence pour que il était capable de porter la main forte ensemble avec, eh bien, un citoyen ça, n'a parlé de maître artiste Rémy. Fon dit que yon nan menace d'après yon voice que li te mette de avant même li mouri voice nou kal invite autant de d'ailleurs genye Andy Jean-Baptiste selon sa que li rapporte nan voice sa te fait konnen que même que le pat arrive touyel la touye la kidnappe madame ni la kidnappe petite li. Mais quant à pour lui-même, il a touyé quand même. Et c'est une raison qui fait que, eh bien, jeune avocat ça, il t'a pas obligé de mettre une note de yo à travers un forum qui a plusieurs avocats que lui fait partie, pour le faire connaître que la ville menacée. Et si toutefois que, eh bien, il t'a mouru, mais qui est-ce qui est responsable de l'enmol? Eh bien, il faut dire que jeune avocat ça,
yon avocat qui très promet d'ailleurs moun for liberté moun wana met c'est pas deux crier par rapport avec disparition avocat ça. Eh bien nèg exam ta pral criblé ak bal lundi dernier côté que li recevoir plusieurs cartouches malgré que on fait diligence courir avec l'hôpital mais malheureusement jeune avocat ça brillant avocat ça en même temps qu'il était secrétaire général au niveau de paquet de Fort Liberté eh bien il t'a pral mourir bon invitez nous tendez boy ça que il te gagne chance fait avant même Bourolio t'a pral assassiner bon invitez nous tendez voyez ça. Les Haïtiens, bonsoir à tous. Avocats, membres, bazoches, différents juridictions dans le pays d'Haïti. Et ça, ça m'a pris spécialement pour nos confrères, conseils, avocats, pareil, moi. Les gens qui parlent avec nous, c'est bien confrères, nous, maîtres, mes artistes, avocats, bah, au Fort Liberté. Moi-même, Cap Sibi, c'est une persécution. Problème dans Nord-Est, précisément dans la commune Wanamet. Qui ça va là? C'est un procès qui m'a gagné. M'a plaidé pour un client qui relait Nelson Cheramindi Emmanuel face à un certain Antoine Jean-Baptiste Dichopé. Eh bien, depuis le moment même que nous entamons le procès, Antoine Jean-Baptiste lui-même, il décidait ensemble avec un petit écrivain Andy Jean-Baptiste pour détruire la vie nous-mêmes avocats. Eh bien Antoine Jean-Baptiste malgré les gains avocats, lui voit que tout procès à faire avocat pas qu'à gagner pour lui, il venait aller choisir puis pour un voie criminel puis détruire le monde. C'est comme ça dans mois de mars équipe Antoine Jean-Baptiste avec Andy t'es allé la caille ne sont chers amis. Quand ils ont fait un pile de cartouches, ils ont voué poison, ils ont tiré chien, ils ont tiré mon tonnerre à coups, mais ils ont tiré poule. En tant que depuis le fin de la chien, ça a eu la quarantaine à coups. Et ils ont constaté une plainte qui est déposée et ils ont été dénoncés sans donner en bouche, monsieur Andy Jean-Baptiste, avec Akolitli. Et bien là, ici, c'est fait pour un morceau. Les plaintes déposées, après ça, eux-mêmes, ils ont été mourus en côté. Pas même bien suivi. Même bon ça aussi est tellement confortable. Le 4 août 2024 là, il y a allé quand un huissier ou un amet qui relé au Lijaxis qui ont sinon Richard. Et bien il était metté différentes machines huissier. Tout tire cache la caille. C'est bon Dieu qui fait il sauve la vie. Même ça les même qui dénoncer même ça parce que gars qui était ouais ça même on dit avec Akolitli. Qui est dans l'affaire, il n'y a pas jamais mouvé. Les gens qui déposent plainte là, bien, plainte ça a été banalisé. Comme vous avez dit, il n'y a pas de preuve, pas de flagrance, il n'y a pas de preuve palpable pour l'arrêter en dit, il était voyé de 200 cabinets d'instruction. Et bien, finalement, les 21 août, dans le même mois, quelques jours après, et bien, même M. Sayo, il est allé là, il y a un avocat, qui est membre du cabinet Phoenix. Kamye mwen, yo tire M. Lakaili. M. Kwan, puisque on fait un décatouche, c'est bon Dieu qui sauve. Juge a fait constat. Dans deux mêmes matins, investigation, allé à chercher M. Côté yo, côté l'hôpital là, yo interrogé parce qu'il a parlé, il a dénoncé Andy avec tout l'autre monde qui est ensemble avec lui. Et ça, de bien, qui ça que. Eh bien, artiste Rémi, maître artiste Rémi, te dit dans voice avant même li te mouri. Même monsieur Sayo te allé vers un autre avocat qui fait partie de cabinet Phoenix qui c'est cabinet que li a travaillé là. Yo criblé yon autre avocat à balle. D'ailleurs, c'est criblé yon criblé la cartouche, li recevoir plus passé 5 cartouches. Yo criblé ensemble avec balle. Mais heureusement, il n'est pas mort, il est allé à l'hôpital. Malgré que le juge de paix allait dans l'hôpital, il a tenté. Mais pas de pièce suivie qui fait.
Si toutefois tu as suivi qui t'est fait, nous pas perdu mettre ça. On a parlé de maître artiste Rémi. Un jeune avocat au niveau de barreau, eh bien Fort Liberté. Andy Jean-Baptiste, monsieur ça tellement puissant malgré le fin commettre axa. Li wè que li pas assez. Li continue bousquer pour joindre maître artiste Rémi. On continue tande maître là qui t'a porté précision de ensemble menace que il t'a recevoir. Les policiers, agents, pour lui font quitter dans l'action à tout. À quelques jours après, eh bien même M. Sayo tu es allé là qu'il y a un avocat. C'est même cabinet Phoenix. Cabinet moyen. Il a tiré M. Lakaïli. M. Prend, puisque on fait un des cartouches, c'est bon Dieu qui sauve. Juge a fait constat. Dans le demain matin, investigation, allé à chercher M. Côté de l'hôpital là. Il a été à Ougi parce qu'il a parlé. Il a dénoncé Andy avec tout l'autre monde qui est ensemble avec lui. Et ça qui pire là, c'est que les policiers, agents, pour lui font quitter dans l'action à tout. Nous te voyons. Ils dénoncent mon ça. Ils ne sont pas grand qui fait. Nous n'avons pas l'été, société, côté que nous avons un avocat couché en haut d'eau, pour seulement un dossier à plaider. Fatih Adverse n'a pas accepté, parce qu'il n'a pas qu'à gagner un tribunal, et il a choisi pour y mettre. Fait avec vie tout nous avons. Moi-même, quand je parle avec nous là, Andy Jean-Baptiste mettait sous tapis, il y a un peu exécuté. Et même dit que s'il n'y a pas trouvé un peu exécuté, il a kidnappé madame, mais petitement, parfois ils font faire avec moi. C'est moi-même qui n'ai pas gagné, et moi, je suis amitié. J'ai décidé à tout prix, il y a comme dans main, c'est agent pour lui font comme marche avec lui. Ma partie, attention, directeur, la police qui est responsable, unité pour le fond, n'a pas à mettre. Il y a des agents pour le fond, c'est Messaou qui sécurise, on dit, dans tout acte malheur, dans toute violence, dans tout bandit, tout ce qu'il a fait dans le département. On dit, même dit qu'il y a une couverture chef, pas qu'il a arrêté, il par, ça il a fait. Et effectivement, vous ça prouvé, parce que, si Andy a remis au collègue mon ça, il dénonce. Le commissaire a même aussi dit que il n'y a pas de preuve suffisamment pour l'arrêter Andy. Et je crois que le premier témoin, c'est mon victime. Là. Parce que les criminels, ils dénoncent un peu. Moi, j'ai arrêté l'opinion publique. Là. Si toutefois, vous attendez que m'assassine la rue, madame kidnappée, ce n'est pas ni deux, ni trois, ni l'autre monde qui fait ça. C'est Andy Jean-Baptiste avec. À couler de yo, pour le fond qui marche avec lui. L'autre bandit qui s'en va avec lui. Avec couverture qui est en main, autorité, l'État, autorité dans le paquet, autorité dans le tribunal pour l'instance pour l'IAT. M'attire attention nous. En attendant, tout ça qui arrive, parce qu'il y a cherché. C'est ça, on dit, côté de la prom, il va trouver l'assassiné madame ou la kina. Voilà. Jean nous tapte d'ailleurs, eh bien, c'est tes réactions, maître artiste Rémi, avant même qu'il te mouri, avant même que Andy Jean-Baptiste te fini ensemble avec lui, parce que Andy Jean-Baptiste te voyait un ensemble de messages bali, côté que, à travers message ça, il t'a menacé jeune avocat, et finalement, il finit par assassiner jeune avocat lundi, et qui était 16 septembre 2024 là. Pendant que jeune avocat Liwanamet, eh bien, gagnait plusieurs nègres sous moto, il ouvre coup de balle sur un jeune avocat qui pas trop loin, ensemble avec la Kaili, et sortant d'ailleurs, jeudi, un jeune garçon sali pas là encore. Faut me dire que gagnait insécurité qui a monté, eh bien, et à puissance au niveau de département Nord-Est. Département Nord-Est, là, c'est un département d'ailleurs qui était très paisible. L'aide prend une zone pour Fort Liberté. Moi-même, je suis allé et dans le cadre travail qui t'a fait au niveau du canal,
nous faisons une semaine ou un amet. C'est pratiquement une semaine côté que nous pas presque dormi. Par rapport avec ambiance, au contraire, moi t'as félicité mon Wanamet par rapport avec hospitalité que vous gagnez et niveau de sécurité qui gagne. Je dis, c'est différent parce que il y a un groupe de monde Wanamet qui gagne des armes. Et ce n'est pas des armes illégales, mais c'est des armes légales parce que le commissaire gouvernement lui prend le malin plaisir pour la livrer des permis d'armes ensemble avec moun sans contrôle. L'homme livre permis d'armes comme ça, c'est normal pour y aller déboucher sur yon insécurité. Parce que en d'accord aujourd'hui, moun ki gen zam nan men la, li pral vle exhibit tel. Li pral vle faire exhibition avec elle. Automatiquement li fait exhibition. Moun ki pa gen zam nan ap toujou gen tata. Jeune garçon qui habitue ki be zam, lè rive nan zone tan pou wana met li wè majorité moun azam, li pral vle pote zam tout. Laisse ça, maringouin pral voler ou par contre ni mâle ni femelle à travers et bien action ça et bien qui pral poser en dans ville. Jodian et sécurité la montée à rage dans ville Wanamet. Et nous connaissons Wanamet, c'est une ville frontalière que li gagne. Pas étonné nous Dominique, li pral Dominique pral rentrer dans un système côté que yo pral vendre zam ensemble avec Haïti. Connaissant la République Dominicaine, qui c'est une nation qui charge grand goût, qui charge tibicieux, pas étonné nous, yon pral commencer à traverser frontière à bois là, pour que les arrivent sous frontière là, yon fait deal, bom, 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 comme ma bozab. Bom, l'argent ma bozab. D'ailleurs, yon remè dollar américain en pile. Surtout les guades, on parle de soldats au niveau de l'armée dominicaine. Nous connaissons plusieurs tranches au niveau de l'armée dominicaine. Guades là, c'est une catégorie ça. Mais c'est pas seulement au niveau de Wanamet et sécurité à monter, Fort Liberté tout, il y a insécurité. Il y a même yon ougan qui marchait à tout le monde pour de rien. Au niveau de Fort Liberté. Jusqu'à présent, la justice pas dit rien. Est-ce que c'est peur ou grand ça? Ou bien est-ce que c'est parce que ou grand ça li gen sous li? Et il y a plusieurs autres actions qui répétaient encore au niveau de commune. On a entendu ensemble de dérives qui a commettre au niveau de département Nord-Est. Le secrétaire général Barou, Fort Liberté, a mis Rémi Artiste avec une réaction qui commence à sortir. Bon côté avocat, il y a une juridiction Fort Liberté, ou même qui était vraiment en colère avec Plonangio, avec une décision pour capable faire mettre le tribunal première instance à Fort Liberté, pour capable montrer des accords avec passivité, il dit, avec bon côté commissaire gouvernement, parce que Fort Liberté, qui la cause, mettre Artiste Rémi lui-même, lui a perdu la ville, lui fait, eh bien, il était déposé plainte, l'État a couché voir menace avec agression, bon côté, moun qui est à avoir un problème avec lui, avec jusqu'à que l'irrivé mourir, selon sa avocat ou même, il fait qu'on est là. Toute responsabilité à sous dos, commissaire gouvernement, parti Fort Liberté, avec pendant commissaire gouvernement, parti Fort Liberté, qui était accompagné avec la police et qui a mené opération à niveau Wanamet, en discours, avec ce moment ça, même avocat, il y a eu plusieurs dizaines, avec il a fermé parquet Fort Liberté et il a fait graffiti dans les rayons, il a lancé un pile mauvais parole contre le commissaire gouvernement en parquet Fort Liberté, mais il a osé faire. Il y a 9 personnes qui ont arrêté dans le cadre d'enquête là. La justice lui-même l'a mené dans le dossier assassinat du secrétaire général Barou Fort Liberté, Maître Artiste Rémi, dans la nuit lundi 16 pour l'ouvrir, matin, mardi 17 septembre 2024. Là. Mais parmi les gens qui ont arrêté, il y a une qui est avocat André Jean-Baptiste, c'est Roselyne Saint-Fleur, ben, a profité d'annoncer tout. Et un commissaire gouvernement lui-même qui parait des bois croisés, qui avec toute mauvaise parole qui a placé sous l'IO, eh bien, M. Enosé Firin a annoncé
li pral bay yo conférence avec la presse pour capable faire lumière sur toute responsabilité ou bal dans dossier assassinat met artiste Rémian. Et ben comme quoi c'est lui même qui pas fait en rien mettre la lui même qui déposer plainte contre moun qui t'a fait le ménage. Et ben comme c'est le gouvernement parti pour liberté met Élodie Firin lui même dit depuis même l'elle était recevoir plainte là il était bay conseil l'autre avocat yo n'a pas validé mandat pour capable arrêter monsieur yo. C'est conseil là lui-même qui pas fait en rien comme suivi parce que mettre artiste Rémi jusqu'à ce que mettre artiste Rémi lui-même lui mourit en babal et le commissaire gouvernement pour liberté avec Élodie Firin qui fait qu'on est et ben ça c'est tellement intéressé les mettre avocat lui-même qui déposé plainte là lui-même c'est utilisé puissier Aurélius Jacques dia avec ces 2000 taïwan il était utilisé pour capable faire filature pour lui-même pour dériver arrêter mon qui t'a fait agresser tout là et ben même 2000 taïwan même il pas tellement montré ou trop intéressé par rapport avec ça et ben qui est établi sur Yoa et ben et Aurélius et qui fait huissier criminel pour l'instance pour liberté lui-même qui était arrivé recevoir menace même les examens qui étaient battus la qualité, c'est en pile cartouche et même miwa la qualité recevoir cartouche et c'est le même mieux un monde qui t'a fait filature pour le commissaire gouvernement qui t'a montré les pas trop intéressés selon ça commissaire gouvernement parce qu'il fallait mettre nos effets lui même partager avec nous il fait qu'on est tout gain Rémi artiste lui même qui est mort aujourd'hui c'est un monde tout qui t'a fait filature pour lui. Et malheureusement, il n'est pas arrivé, pas après un démission dans le moment où il a mené l'opération, mais le mandat est déjà dans la main, conseil l'autre là pour être capable d'arrêter monsieur. Et même, il n'y a pas de faire qu'un suivi, donc il y a Rémi Artiste lui-même, à mettre avocat à mourir, et bien c'est lui-même, et tout le monde a parlé sur lui comme quoi, et bien c'est lui qui n'a pas pris de rien, c'est lui qui était trop passif, c'est lui qui était trop naïf dans le cadre de ce ça, et qu'on mette là lui-même, il mourit. Et bien devant toute situation, ça y est, il est obligé, je vous dis, à rencontrer avec la presse pour être capable, et bien, avec vérité à ce table-là pour être capable de déresponsabiliser dans le cadre de ça pour montrer M. Conseil l'autre avocat qui livrait M. Avocat Rémi Artiste dans le cadre de ceci-là. Mais il faut que nous disions tout, département nord-est qui est considéré comme département qui est safe, en tout le monde nord-est, il y a une grosse inquiétude pour le département nord-est, n'a pas vu un territoire perdu. Les Waramètes et sécurité eh bien, déjà vraiment à monter vraiment haut et dans le cadre de ces conflits terriens. Que le cabinet Phoenix a associé ou même mieux à ta traité non et niveau à la mettre. Déjà, il y a trois mouns qui t'avaient victime dans le cadre de ce ça. Il y a un huissier, Yaxirus et Aurélius, lui-même qui était victime dans le cadre de ce ça. C'est huissier tribunal pour l'instance pour la liberté. Il y a un maître Wilson Noël, lui-même c'est membre du cabinet Phoenix associé, qui était reçu environ 20 cartouches et jusqu'à présent, qui a reçu ce cabane de l'hôpital, et bien, il y a un artiste Rémi Tou, lui, et va recevoir plusieurs projectiles, et bien, lui-même, malgré un urgence de transporter l'hôpital, il n'est pas arrivé sauvé, il est rendu gagné souffle. Écoutez, il y a un pile monde nord-est qui vraiment a dit, oh là, il y a pris les amoureux. Il va prendre la justice, la police assume responsabilité, la société civile assume responsabilité parce que le département nord-est n'a pas qu'à tourner territoire perdu. Eh bien, l'insécurité a vraiment à monter dans le niveau commune et tout, ou à la mettre. Eh bien, dans le trou du nord, il y a deux citoyens qui étaient en discussion entre eux, des citoyens qui ont chargé machine. Il y a les manchettes, les coupées pour être là, deux bouts pour être là, sorti tombé à terre. Eh bien, dans le niveau. À Fort Liberté, tout, c'est pas dans le centre-ville, là, mais dans la section Côte-Bio, eh bien, l'insécurité a vraiment et a monté côté dernièrement là, il y a un ougan qui t'a tué deux mois. Et il dit, c'est pas pour la première fois, eh bien, j'en ai Kassa lui-même, lui a produit la caille pour Gansa, pas jamais rien qui fait pour Gansa continuer à préférer la vie moune. Eh bien, si dans la Fort Liberté, ces zones est paisible, eh bien, dans la section communale, une mauvaise action a passé, et dans Waramet, dans le Trou du Nord, avec la prise de l'autre section, eh bien, l'insécurité a vraiment a fait parler de lui. Côté Mounio, mandé la police, la justice, et avec la société civile dans Nord-Est, pour capable passer mes responsabilités pour le département Nord-Est lui-même. Lui, pas tourner territoire perdu, parce que le département Nord-Est, eh bien, il est considéré comme un département qui est plus pauvre, mais en matière de sécurité, nous sommes plus ou moins, mais le dernier moment, ça a eu à nous, le département lui-même, il commence à gâter. Voilà. C'est une idée de département Nord-Est, non, côté que. Vague insécurité, la montée en puissance et population a commencé vraiment inquiet
et surtout autorité yo qui ou même fait mes yeux yo malgré ensemble de dérives qui a privé au niveau du département pas gagne en velléité pas gagne diligence qui fait bon côté autorité yo pour que yo capable mettre un frein ensemble avec gens de action à ça yo n'a quitté information qui est pour ensemble avec dossier ça mais nous pral parler de yon l'autre personnalité et personnalité ça en pile moun connaît le sous nom Myrtil Masnay c'est non ça et bien qui gagnait si non jouette arabe n'a pas rappelé que arabe c'est un militant politique d'ailleurs qui menait plusieurs batailles notamment et sous Ariel Henry côté que monsieur était toujours à la tête de plusieurs mouvements d'ailleurs en pile moun était capable constater que dans une vidéo arabe t'a distribué manchette Arab tap chante révolution a commencé. Faut nous dit que Arab il t'a pas connait deux arrestations. Gon première arrestation que Arab t'a pas connait au niveau de Okaï. Deuxième arrestation Arab là, eh bien, c'est dans le moment que prison pénitentiaire écrasé toute majorité prisonniers ont été mettre corps dans la rue et Arab te fait partie de ensemble prisonniers qui te met de dans la rue et finalement Arab t'a pas joué une arrestation si je ne m'abuse 3 mois de cela. Arab t'a pas joué une libération bon côté premier ministre Gary Conille d'après ça que lui dit. Eh bien faut nous dit que jodi an Myrtil Masnay li te rend ni au caï et nan yon seul objectif pour que li capable vin chercher téléphonie d'après ça il dit qui nommé yon moun tankou Ronald Richemont pas bien c'est Ronald Richemont qui t'a arrêté Myrtil Masnay pendant que li était au caï nan moment que Myrtil Masnay li était gain plusieurs parcours pour te faire au niveau de et ville des caï faut nous dit que Myrtil Masnay profiter occasion pour critiquer dirigeants sont haïtien qui profitent de insécurité pour que capable faire population haïtienne monter en bas suifé parce que jodi là à travers insécurité qui gagne en plus monde pas utiliser route sud là vient faire que majorité monde qui veut rentrer dans des départements yo obligé utiliser voie aérienne et gagne plusieurs monde tout yo pas ka rentrer Port-au-Prince, yo obligé rete pour que yo capable aller parce que au cas un aéroport international. Eh bien, Myrtil Masnay qui te gen plusieurs autres dirigeants ensemble avec yo, plusieurs autres militants ensemble avec lui. Li pa met bouche dans bouche li pour le capable critiquer dirigeants son haïtien selon Myrtil Masnay qui yo même contribuer dans insécurité qui gen dans pays. M'a répété d'après Myrtil Masnay. On dit que ta gon me caché des insécurités pour ti monsieur capable peser sur accélérateur là parce que on d'accord aujourd'hui la guerre sécurité majorité moun pas ka passer au niveau de à terre gen moun c'est là mais obligé prend et qui est ce qui dirige la mer nous connaissons certains de Kaoli Jeff Kaoli toute machine y a transporté vers la mer ou obligé gen $1,000 US money de pou pa gen $1,000 ou risque pou pa passer voilà la situation de notre cher Haïti par rapport avec la mer qui c'est $1,000 et en l'air combien lié jodi là pas étonné ou si m pralé au caï m'a paye plus comme que si m t'a pralé Miami Miami Floride. Si Miami m'a rentré à Haïti, m'a payé moins comme que si Miami m'a rentré eh bien pour aller au caï. Tout ça arrivé c'est parce que pas gagné autorité pour voir les yeux dans pays nous non pays côté que nous faire face avec une vague corruption. Le fait que pas gagné autorité pour voir les yeux c'est normal pour gagner ensemble de cas de corruption dans le pays. Comment pour demander un malheureux, malheureuse, cap quitter capitale pour rentrer au caï ou demander $400, $300, $350 pour rentrer seulement par avion?
Hey, m'pa ka comprendre. Là où mon copé lui dit que insécurité en ligon me caché, est-ce que mon sa li nan mento? Est-ce que vrai? Là où on a fait $1,000 dans un voyage par camion sous la mer, s'il fait 100 voyages, c'est 100 fois 1000. 200, c'est 200 fois 1000. Quantité voyageur, c'est quantité voyageur par 1000. Dans yon journée, seulement dans transport de véhicules par bateau. Est-ce que moun sa ap jam d'accord pour que l'insécurité li résoudre dans le pays? Je dis parce que chaque grain citoyen doit bayo à fond. Parce que on a quoi moun ki nan nécessité qui oblige utiliser bateau pour le capable traverser. Et l'aller dans bateau, c'est pas pareil ou faire 12-15 minutes, no way, même 30 minutes. C'est pas grave faire une temps. Des fois, c'est misère ou dormi même carrière pour qu'à au moins joindre un bateau pour aller. Des risques. Pendant sous la mer, bateau ça, li ka coulé. Jodi an la, est-ce que ça li pa froissé nos frères et sœurs haïtiens? Jodi an la, le moun tan pou Donald Trump a maltraité haïtien par rapport avec Bush, est-ce que pa gen raison? Nous même haïtiens, nous ba au droit pour que parler sous nous. Et so j'aime te dire ça dans l'émission. Mon ami qui c'est un militaire aux États-Unis, li fait qu'on est que li rentre mon côté. Guillaume Blanc qui dit, est-ce que li c'est haïtien? L'elle dit oui, c'est haïtien. Blanc étonné, elle dit non, pas haïtien. J'aime te des moun ça manger chien ou son cool gay. Il dit oui, nous sommes haïtien, fier de ce que nous sommes haïtien. C'est une campagne qui visait pour dénigrer Haïti. Combien Haïtiens qui ont fierté ça, je dis pour faire un tel discours, malheureusement. Parce que c'est vraiment important pour que nous capables résoudre ça qui est là. Pour que nous capables caler, pour que nous capables voir un certain bagaille. Il n'y a pas de problème pour appauvrir nous, pour rendre nous pauvres, pour que vous soyez capable de faire capital, pour que vous soyez capable de faire riche. Nous-mêmes, Haïtiens, nous devons caler les yeux. C'est là que nous mettons fin à notre émission spéciale. Ça, une émission côté que nous avons un jeune avocat ça, et nous avons parlé de maître artiste Rémi, que nous avons examen au niveau de bien Fort Liberté, Waname Touye. Et nous te ouais bien til masné nan min la parler avec nous là qui au kay et qui déclarer que le vin des téléphone ni nan mais Ronald Richmond qui t'a arrêté qui t'a kebe téléphone ni et il t'a tout profité tout pour le critiquer responsable Sunrise Air Radio qui au même a fait population monter on m'a suifé dans question billet avion li rete ou même pour que ou capable partager abonner et commenter pour capable encourager le travail là ciao.